syllabe. Moi, ouais, on ne doit pas aller à l'idée de 12 ans. Décembre. Mais moi-même, magistrat de l'AB demandait pour le tenter le citoyen Jean-Renel Sénatus le 26 décembre. Moi, j'ai été descendu malgré une question jugement par rapport à sa qualité publique. Mais ça qui est dans le rapport qui est déposé devant le Sénat, je dis pas jamais entrer dans le bagage comme ça, dans la mesure où moi j'ai été attaché avec corps que je l'ai dans l'an et corps a été pour le prononcer son rapport commission. Je ne peux pas rentrer dans le bagage comme ça, je ne peux pas parler des bagages qui concernait le Sénat. Mais il faut comprendre ça. C'est clair. Et nous avons dit strictement ça, nous avons parlé sous lui publiquement et nous avons arrivé dans un rêve. Maintenant, pour une question d'éthique et de probité, je n'ai pas souhaité intervenir sous lui. Je n'ai pas donné le secours à la justice pour le faire travailler et dans toute sérénité. Ok. Deux petites questions quand même. Est-ce que ça pose un problème le fait que ordonnance et magistrat est rendu le 12 décembre et que l'étendo pratiquement combien 14 jours plus tard, c'est ça 26 non, décembre? Non, le 26. Non, il n'y a pas de problème dans la chronologie de l'audition que le magistrat lui-même a adopté. C'est suivant l'information que le gagné, suivant le travail que le gagné l'a fait, il va être une méthodologie. Il n'a pas appliqué méthodologie, mais même moi dit, l'Iran ordonnance plan, on ordonnance le 12 d'après sa moi, mais moi-même, je t'étendais moi le 26 à titre de citoyen. Et puisque autant dit là-dedans, et comme citoyen, sous samedi, sans samedi parler publiquement, qui parle un rapport là, ou bien ça qu'on parle publiquement, qui parle un rapport là, pas à le prononcer sous les publiquement parce que le Sénat est déjà saisi par le dépôt du rapport de la commission. Ok. Nous allons rentrer dans le fond et question et me comprendre et position tout qui est correcte, mais besoin de précision dans mon. Et vous connaissez des précédents, déjà juge, madame, dans la chambre députée, hein, et député, comment est-ce que. Zoulaya, voilà, et puis et Rodriguez, vous avez été même bas là, il n'y a pas, bon, chambre députée, il n'y a pas de prédécision levée, immunité parlementaire, ça, et puis après, le mandat est fini, et puis nous n'avons jamais entendu parler et de questions, mon coup. Là, juge là, il fait appel à Sénat de la République. Selon que c'est comme ça pour Bala, les fêtes, c'est Sénat qui prend décision. Mais je dis à nous, bon, déjà, nous, au Sénat, dysfonctionnel. Et puis, là, à partir de lundi, nous allons comme qu'à prêter. Est-ce que c'est 10, est-ce que c'est 20? La loi dit non, tout à l'heure, on a fini tout ça. Mais moi, que la question fait débat. Donc, on est comme qu'à prêter, non, parce que la loi est claire. Sénateur. Et la loi s'applique. Sénateur, pas oublié, non, concerné par la question, on a fini sous lui. Moi, d'où ça? C'est pour me garder, ça dit, je dis, bon, depuis quelques mois, là, pas une séance qui a fait dans le Sénat, donc, on qui ça est parlement devenu. Mais question maintenant, là, qu'est-ce que 10, qu'est-ce que 20? On dit, t'arrêtes 20. Et t'arrêtes 20 sénateurs. Est-ce que le Sénat de la République, en tant que corps, t'as capable de prononcer et sous cas et grâce à Delva ou bien on dit le Picler sous demande et juge d'instruction. Bon, encore une fois, permettez-moi de ne pas commenter et pas répondre sur ça. Sénateur, expliquez-moi pour qui ça. Ça moi, on dit regardez non on dit c'est pas ta on dit c'est pas grâce à Delva. Moi-même, j'ai souhaité commander mettre mon figure d'oval qui s'en pense. Ok. Bon. Ah ben, d'accord. Et vini qu'on y a la sous-question et mandat hier, dont il y a un taquiné et Yuri Latortu qui sont même longueur de l'an, il a dit, est-ce le bagon effet personnel ou bagon de deux, trois plumes, photos, fonds, mieux qui étaient dans le bureau au niveau de Sénat pour chercher peut-être après lundi ou qu'il va tourner en bas? Qui est-ce même? Oui. Marie-Lucie, allons en faire interview. Parce qu'il y a fait, mais des bruits exécutifs d'après une décision là. Marc, nous avons descendu en bas encore, si nous voulons. Écoutez, descendre en bas, c'est pas exécutif là, qui est capable de descendre. Nous choisissons un régime pour nous vivre qui est un régime, nous relais démocratie. Dans la démocratie, nous choisissons pour nous dire que nous prenons la démocratie vers un état de droit
où c'est la loi qui a toujours été primauté. C'est la loi qui a toujours d'application sur sa monde pensée. C'est la loi qui va répondre à velléité malsaine ou caprice que un monde capable gagner envers ou contre état de fait ou bien au état de droit. Droit, dans le sens que nous prenons, un état. Maintenant, non, ça qui concerne nous au niveau du Parlement, il est clair que nous avons participé dans une élection qui est en 2015. En 2015, premier samedal li dans la Constitution de Mbral candidat, nous avons dit le mandat du sénateur est de 6 ans, il est renouvelé chaque 2 ans par tiers, c'est-à-dire chaque 2 ans, il y a 10 personnes qui peuvent aller. Premier samedal qu'on est Marie-Lucie, moi vini en 2016, m'prête serment. Il y a un premier tiers qui allait, qui c'est tiers Steven Benoît. Il y a un deuxième tiers qui a été mis en discussion sous lui en 2018. Il a dit qu'il doit aller. Là, ça a été fait discussion parce que il y a deux sièges vacants en 2015 que nous avons comblés en 2016. Mais le décret électoral 2015, c'est clairement dit. Dans l'article 50.3. Non. A pas de chou la pour vous, pour qu'un auditeur soit capable de plus édifier. Ici, à l'occasion des élections sénatoriales et fréquentes à la fois, le renouvellement, nous soulignons ça, et une ou deux vacances au sein du même département. Les électeurs votent pour autant de candidats qui ont de postes à pouvoir. Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix, reste en fonction jusqu'au deuxième lundi de la sixième année de son mandat. Le sénateur élu à un nombre de voix immédiatement inférieur comble la vacance produite en cours de mandat. Souviens ça, en cours de mandat. La vacance produite en cours de mandat pour le temps qui reste à courir. Maintenant, Marie-Lucie, pour le respect que je dois à vos auditeurs et à vous-même, on a regardé qui ça la loi dit sur question vacances. C'est article 42, décret électoral là, qui parlait de sacrer les vacances au niveau institution. Il dit que les vacances, lorsque il y a des gens qui mourent, les vacances, alors lorsque moi, sénateur, moi, prêté serment, et puis moi, mourir. Si je suis en fait un an, non, madame, non, je suis 5 ans, 5 ans, ça a 5 ans vacances. Si, pendant que le sénateur me pose un acte, je condamne ma peine, et que le jugement acquis l'autorité de la chose souverainement jugée, le ça a destitué mon sénat parce que je suis criminel, eh bien, avec la destitution, je suis obligé de quitter et me créer en vacances. Quand je vacances tout lorsque j'ai démission, on me dit, sénateur, ça, tu fais tel bagage m'énerve, ou bien on attaque la famille m'énerve, on dit pour cause familiale, moi démissionné, ça crée vacances. Et quatrième cause de vacances, non, c'est lorsque nous est incapable pour exercer fonction physiquement. Soit il vient tomber dans un handicap majeur qui fait le PACA, rendu un travail, ou bien il vient fou, il perd du capacité mentale, mais tout de ça, il faut le constater par un médecin qui reconnaît le domaine. Non. Maintenant, dans l'article 53, le législateur n'est pas trop clair. Là, il parlait de vacances. Et c'est parce qu'il n'est pas clair qu'il va venir un article 239. Article 239, là, pour ma foi, rapidement, qui t'a dit. L'ici, dans l'article 239, là, permettez un moment. Cherchez pour vous. Il y a un caractère pédagogique aussi. Yep. Mais mettez le téléphone devant vous, sénateur, parce que vous avez reculé. Oui, je vais faire ça. Kounia. Mais ça, je dis Marie d'ici, en vue d'harmoniser le temps constitutionnel. Mais mettez le téléphone avant ou lire l'article 239 et constitution. Sénateur, nous sommes loin. Vous trouvez loin là? Là, bon est. Ah, ok. Je dis, en vue d'harmoniser le temps constitutionnel et le temps électoral, à l'occasion des élections
organisée en dehors du temps constitutionnel. Pour quelle que soit la raison, les mandats des élus arrivent à terme de la manière suivante. Ma petit P à vous. Si le mandat des sénateurs prend fin le deuxième lundi de janvier de la sixième année de leur prestation de serment, hein, de leur mandat, quelle que soit la date de leur entrée en fonction, sous réserve de l'application de des dispositions des articles 50.3 et 50.7 de la du décret électoral. L'âme est pour vous ce texte de loi qui n'a décret, ce article décret. Mais Marie-Lucie, nous, ouais, à travers la presse, à travers les réseaux sociaux, depuis des mois, il y a une véritable campagne qui est orchestrée, et même pensée, une campagne orchestrée plus pour le palais national. Et dans la conversation que je disais à président le 15 août, nous avons parlé ça ensemble avec lui. Nous disons, président, sous question ça, il faut que nous clair. Parce que mandat pao, ou battre pour le respecter, tout le monde doit battre pour respecter mandat. Yo. Maintenant, si nous-mêmes, nous estimons, ou même moi mal dirigé, Sénat, chambre député n'a pas réglé rien, magistrat n'a pas réglé rien, les coups de cassation et la justice et pour le tête n'a pas réglé rien. Nous appelons un acte de, qui est démocratique, mais un acte qui a réalité historique. Pour nous dire que le pays a nous échoué, nous prenons l'autre direction, les Sanabrines ont accord entre nous, pour nous dire que la caille nous et aider la population à respirer mieux, nous n'avons pas été pris en l'autre orientation. Mais quand un mandat sénateur, il est très clair, il dit, mais comment un mandat aille, et ma petite ou ma petite. Nous avons un ancien parlementaire qui dit, le Sénat se renouvelle par tiers, donc c'est deux tiers pour aller dans quatre ans. Mais effectivement, elle a raison. Parlementaire ça. Parce que nous avons Steven Benoît, qui est allé, qui est allé déjà. Nous avons Calmu Akantav, qui lui-même reconnaît, suite à un accord d'application de la loi électorale en 2018, il a dit qu'il y a 4 ans, nous avons des sénateurs Cherami, nous avons des sénateurs Ricard, il a dit qu'il y a même Yopral. Ça fait deux tiers. Pas qu'il y a 3 tiers qui allé, mais 4 ans. C'est une absurdité aveugle, ou du moins, une absurdité méchante. Maintenant, nous-mêmes, au niveau du Sénat, nous étions quoi? Le Sénat se renouvelle partielle. Le Sénat des sénateurs, qui n'en coupe pas maintenant, la fini deuxième lundi du mois de janvier 2022. Pas président a fini longtemps, la loi prévoit pour le fini, mais nous pas prendre grâce provocation des leaders du chaos. Qui ont ces candidats qui besoin de plus d'espace pour l'élection qu'a fini? Quel est ce parti politique qui n'a pas existé, mais ou bien qui existe seulement les élections qu'a cherché ou si saison a ouvri ou a fait paillot? Qu'il s'agisse de conseiller officiel président ou bien conseiller officieux président, nous avons pris l'ennui à la conseil, mais qui a pris parole président dans ce tribunal. Nous-mêmes, nous disons attention, nous avons choisi la démocratie et l'état de droit. Nous devons rester dans la démocratie, hein? Nous devons rester dans l'état de droit. Si nous avons pensé, nous avons fait une leçon sur ça en loi, votre procéduralité. Laissez loi de procédure qui parlait, c'est oui, amen. Laissez loi de procédure qui parlait, c'est l'application stricto sensu. Même par analogie, on va mettre l'application. Or, si nous avons une analogie, Marie-Lucie, qui s'en a fait? Nous avons dit plus qu'en 2015, c'est deux tiers Sénat qui vide. En 86, c'est trois sièges qui étaient vides. C'est qu'il y a l'élection en 2006 pour trois sièges. L'autre du sénateur qui vient en premier, elle a bien 6 ans. Chacun en deuxième, elle a bien 4 ans. L'autre là, bien 2 ans. Et bien, dans le cas noir, c'est aussi simple que ça. Même lorsque c'est pas la loi qui a appliqué, non. Même lorsque il y a analogie, il a fait oui. Il a dit, sénateur qui est élu dans le premier tour, comme moi-même, il a écrit dans le certificat. Sénateur Jean-Wenel gagne l'élection, il est premier sénateur de l'Ouest. Et même si on connaît, le premier sénateur a toujours un mandat de 6 ans. Il n'y a pas de discussion autour de ça. Le président n'a qu'à respecter la loi. La justice n'a qu'à pas appliquer la loi dans la mesure où il y a des gens qui veulent violer la loi. Sénateur, bonne petite précision. Tu as un accord entre Sénat et Palais National en 2018, tu as un accord qui est intervenu
entre une commission, parce que vous avez déposé. Je demandais pour le sénateur, par exemple, Kato avec le sénateur coupe sénateur. Qui était censé aller l'année dernière, yo? C'est eux-mêmes, oui, pas n'y a pas débat sur eux, t'es un accord pour être capable d'être, non? Non, mais c'est pas ça. L'accord là, il était, oui, c'est un accord. Son accord qui est intervenu dans la commission, c'est à réfléchir sur ce mandat. Qui est là-dedans, M. Liné Balthazar, qui est là-dedans, qui est là-dedans, Rénal Libéru, qui est là-dedans, Kedler Augustin, Ronald Larèche, Metquet Pasquet, et puis qui est là-dedans, Scalmoura Kantar. Dans la commission, ça, je t'ai entendu au niveau du palais que l'élection, mandat sénateur, a fini 2020, 2022, 2023. 2020 pour Power qui est là dans le cadre, 2022 pour moi-même avec Louis Attentu Eco, 2023 pour sénateur Patrice Dumont. Mais, constat que nous venons faire, nous réflexion, protocole là sur le téléphone moi après me cavouer le pour vous. Vinn gen un petit problème politique. Problème politique là, c'est que le président il fait face avec des nègres qui sont en dans Sénat, des collègues en dans Sénat qui n'ont opposition. Et que monsieur pas tapoté mon qui l'exécutif yo bien. Et parmi les sénateurs la tortue, c'est une première tête qui ont armé coupé pour être sénateur aller pour retirer la tortue, pour retirer Nenel. Et puis, quand il y a là, il y a 10 sénateurs, ça m'a tout la dit la Valérie Dumas, un mois d'octobre là, il y a après 10 sénateurs, président Pral prend 6 sénateurs là-dedans, il y a croyé nos bagailles et diplomatie comme diplomate, il y a bien la secrétaire d'État, et puis 4 restes là, il y a plus que 4 qui restent, il constate la caducité du Parlement. Ça, c'est le plan. Et je me dénonce depuis 3 mois déjà. Je me dénonce. Jusqu'à ce que Valérie Dumas m'a dit, est-ce que le président Jovenel qui prend ça dans le être lui? N'est-il mes informations que j'ai. Et c'est exactement le dernier point que nous avons. Maintenant, moi-même, ça me connaît, président Jovenel, moi, on est obligé de respecter la loi parce que lui-même, il était prêté serment sur la loi et la constitution, pour le respecter. Il n'est pas capable de respecter le tout parce que ce n'est pas président Jovenel qui peut dire, mais qui est ce mandat mon Dieu, mais combien de temps lié, mais combien de paillé. Au contraire, le président Jovenel, comme garant de la bonne marche des institutions, il a dû œuvrer pour que le Parlement, le Sénat, la Chambre des députés, ont fonctionné normalement comme institution. Malheureusement, ce n'est pas ça qui fait. Malheureusement, c'est pas ça qui fait. Et là, personnellement, moi-même, je dis à président Jovenel que lui-même, tout le monde est faute là-dedans. Il est faute dans la mauvaise marche institution, parce que président Jovenel, il a gagné en majorité dans le Sénat, il a une majorité dans la Chambre des députés. Et qu'il y a des sénateurs et députés centristes, depuis qu'il va violer la loi sur la capote au pays, il a marché là-dedans. Malheureusement, président, le président n'avait pas su bien utiliser sa majorité au niveau des deux chambres. Sénateur, nous avons été sous accord 2018 là, parce que débat outil Sénat était doué aller en 2018, donc on est question de faire débat. Là, pardon, même du débat, mais question de faire débat. Lorsque c'est un accord politique qui te permet que, par exemple, Antonio Cherami, Valéry Beauplan, Naomi Marcellus, Jacques Sauveur, Jean Kalmoura Kantav, et ça, Wilfried Gélin, oui. Ricard Pierre, Hervé Foucault, Sorel Jacinthe et Foster Denius, yo ont tiré à l'auge une année, eh bien, si pas un accord politique, là encore, ça dit, nous-mêmes, nous sommes censés aller là. Oui, peut-être ça me pose une question de sous accord politique là, qui bon. Te permet équipe ça fait ça t'a un débat sur là aujourd'hui qui fait au fond tirer un an de plus. Même là t'as gagné un accord politique Marie-Lucie, moi-même me pas d'appel là-dedans. Groupe sénateur fait 10 qui est entré avec moi pas d'appel là-dedans. Même là t'as gagné un accord politique parce que accord politique t'as fini sous question vacances. Or, ici, dans ce texte de loi, à l'occasion des élections pour le renouvellement, ou pour combler une ou deux vacances au sein du même département, c'est un candidat qui est plus fort, les candidats qui a fini la sixième année, deuxième année, le deal. Donc c'est clair. Tout le monde me retire dans la loi longtemps. Je me retire dans la loi, je ne vais pas faire 204, je ne vais pas la faire. La loi fixée par Nazim, mon mandat est de 6 ans parce que j'ai été en tête de liste. J'ai gagné au premier tour
et les autres collègues qui n'ont pas gagné au premier tour, ils viennent dans tête de liste et ils ont été premiers sénateurs dans la zone. Et ça fait dans cette femme, non, ils ont écrit premier sénateur. Maintenant, pas la discussion, bagaille, question 2 ou 4 ans, mais ma présence fini pour vous connaître sur l'accord. Accord qui te gagne, hein, c'est pas un accord pour te rallonger le mandat du sénateur. Pas de monde qui te doit ça. Le mandat du sénateur, ou pas qu'à couper la dent, ou pas qu'à mettre la dent, tout ça, ou que les constitutions. Non, oui, mais c'est pas le premier accord politique. C'est pas le premier accord politique. Non. Permettez que je vous dise, madame Bonhomme, qu'un accord politique, pas qu'à porter préjudice à la constitution. Ni pas qu'à porter préjudice à la loi. Yon accord politique, les villes. Non, mais ça me dit, sénateur, ça dit qu'il y a un précédent. Et puis le fait que vous avez accepté l'année dernière, ça veut dire que vous avez accepté. Dans l'état de droit que nous avons dit la postule à Mme Bonhomme, l'ici, mais comment vous parlez, vous faites. Lorsque vous avez un accord qui fait entre les parties, donc accord ça, il n'y a pas porté préjudice. Article 945 du Code civil. Les conventions légalement signées entre les parties tiennent de loi en celles qui les ont faites. Pour vous qu'elles ne portent dérogation au principe de bonne vie et mœurs, et au principe de public. Là, les normes constitutionnelles sont d'ordre public. C'est-à-dire, nous n'avons pas qu'à signer des bagages entre nous pour nous faire les constitutions. C'est pas que ça. Maintenant, c'est une application par analogie qui est faite. Je dis en partie sous question 90 à 2006, lorsque tu as trois sièges, puisque pas que trois sièges, c'est deux, eh bien, on a considéré. Encore une fois, mandat yoa, puisque moi-même j'ai 6 ans déjà, l'autre monde dit c'est 4 ans que la pied, parce que Pépé va venir un an après, et que Pépé, ou pas qu'à mettre Patrice Dumont, n'a même qu'on rote là avec. Sénateur. Mandat, la fin en 2022. Ok, sénateur. C'est clair. Mais même oui. Nous avons trois groupes. Et le fait que c'est depuis 2014, sénateur 6 ans, il était doué et entré en fonction. Vous avez appelé pour moi l'article 239 tout à l'heure, là, oui? Afin d'harmoniser le temps constitutionnel et le temps électoral. Le temps constitutionnel, là, il dit quel est le délai, la durée du mandat. Notre constitution, il dit, mandat tout sénateur, il y a des 6 ans. Et sa constitution dit, et le sénat, c'est une nouvelle partie. Maintenant, la loi électorale, qui est la loi d'application, qui constatait qu'il y a deux vides au niveau, des deux sièges vacants au niveau de l'institution que le sénat, il est venu pour le dire. Notre petit père, le mandat des sénateurs, le mandat, petit président, oui, ça veut dire, pour le président, il a même application, si ça avait bien été fait. C'est un petit tas, c'est un petit tas. Ok, pour mon petit décret électoral là, et petit tas, c'est-à-dire qui parlait de mandat président, article 239. Petit tas, vous. Le mandat du président de la République prend fin obligatoirement le 7 février de la cinquième année de son mandat, quelle que soit la date de son entrée en fonction. Oula? Petit B. Le mandat d'un sénateur. Ça va prendre 5 ans. Lydie, le mandat des sénateurs prend fin le deuxième lundi de janvier de la sixième année de leur mandat. Quelle que soit la date de leur entrée en fonction, sous réserve de l'application de l'article 53 et 57. Qui ça, 53 dit? Il dit à l'occasion des élections sénatoriales qui perdent là, s'il n'a pas dit pour un renouvellement, ou bien pour combler une ou deux vacances dans le même département, candidat privé avant, après un mandat de 6 ans, qui a fini le 2e le 10 janvier. Et candidat qui vient après, la série, la salle, pour les restes vacances. Nous sommes dit qu'on saute là, parce que vacances par les vides en droit constitutionnel. Débarré. Lorsque nous mourons, lorsque nous destitution, lorsque nous incapacité physique et mentale, lorsque nous démission.
Ça va dépendre de gens exécutifs à comprendre question vacances. C'est pas exécutif là pour interpréter la loi. Qui est-ce qui fait là? Ou pas gagne cour constitutionnel. Lorsque la loi n'est pas claire, la constitution dit seul pouvoir qui gagne obligation, parfois d'autorité, pour interpréter la loi, elle est le Parlement, par un texte d'interprétation. Parlement pratiquement inexistant là. Mais qu'il y a là où devant une situation de fait, pour obliger à appliquer la loi à Jean-Louis. Ok, ça dépend de gens, ouais. Ça dépend de gens partis à ouais, question. Non, Marie-Lucie. Ce n'est pas parti que ça l'appliquer parce que si vous mandateur, moi mandateur, ou pas qu'à juger. Ok, bon, sénateur, on dit là, ouais, là, on flou. Ça dit Parlement, bon, là, il va tout pas exister. Ok? Mais pourquoi qui est-ce? Pourquoi qui est-ce? On est là. Bon, moi, faut qu'on fasse même si ou même ou impliqué dans la question. À qui instance exécutif là, t'as qu'à faire appel ou bien, que ce soit exécutif ou bien parlementaire qui concerne eux, pour que les tranchent là dans le moment? Bon, moi, pour nous rapidement, Marie-Lucie. Les lois, la constitution, ou pas discuter ça pour garder qui sont café. Mais s'il pose problème, il pose problème. Ou bon point de vue, ou bon point de vue, en face à bon point de vue. Non. Qui a besoin en boulevard pour agir, et puis il y a été créé. Non, sénateur. En bas, elle pense ça. Non, bonjour. Qui instance là? Non, qui instance, sénateur? Sénateur m'a posé une question. Regardez. Qui est là? Ok. Qui instance qui t'a qu'à trancher sous ça là? Abdiou, qui est l'instance qui est capable de trancher sous lui? Première instance, c'est la Cour constitutionnelle, qui est inexistante. Deuxième instance, c'est le CEP. CEP qui est là, il n'y a pas de mandat. Mais CEP, pas non, qui te fait l'élection tranchée déjà. Il tranche lorsque l'écrit non certificat, je suis le premier sénateur. Non, mais vos litiges. Eh, ça m'a dit là, sénateur. Ben, m'a dit, pas bon instance pour qui je dis à garder. On a créé un imbroglio pour que moun yo gagne yon, on va se renommer au professeur Ouvre, et que yon créé litige là. Mais pas de litige, vraiment. Président, mais un an en retard. Pas vrai? Mais le roi a clair, le président gagne yon, on a fait quoi? Dis-moi, comment il dit? Non, absurdité à faire encore, oui. Comment te dit pour mandat, m'a commencé à courir en 20 minutes? Sénateur. Ah, mais non, c'est. Regardez. Maintenant, on va voir Marie-Lucie. Qui finit par arrêter? Qui Philippe c'est qui est élu? Lui arrêté. Je dis que Philippe pas un sénateur en fonction. Parce qu'elle peut compléter serment. Je ne pas voir payer qui Philippe. Je ne pas le privilège parce qu'elle ne peut pas compléter serment. Et puis aussi, madame de commencer en compléter serment. Sénateur. Ah, mais c'est petit BA qui a un problème. Ouais, par exemple, regardez, faut que tu t'en mets. Petit CA qui parle de mandat des députés, là, il y a un problème là-dedans même. Le mandat des députés prend fin. Oui, t'as l'air. Prend fin le deuxième lundi de janvier de la quatrième année de leur mandat, quelle que soit la date de leur entrée en fonction. Ouais, là, il y a quelqu'un qui a ajouté. C'est ça, même, t'as pas dit. C'est vrai. Petit BA, l'idée est. Ou bien, qui dit sous réserve de l'application des articles 50.3 à 50.7 du présent décret. Mais, l'actuel CEP, tant que vous êtes là, sénateur, l'actuel conseil électoral provisoire, vous dites pas de mandat. Il n'y a pas de mandat. Il n'y a pas de trancher sur ça. Regardez. Pour le constitutionnel, là, il n'y a pas existé. Puisque, sénateur, faut-il t'en dire? Ok. Ça dit avis au divergé. Ou même, ou bon point de vue, regardez, même des sénateurs, ou bien, on dit, oui, des anciens sénateurs, qui t'allaient à l'aide, sénateurs, tant de moins. Non, ma lui, qui va faire ça? Non, ma bonne, sénateur, ma pose une question, dis-moi, pas faire ça? Ou qu'on y a répondu? Non, pas faire ça? Ah ben, on va reconnaître deux journalistes, ça, pour poser une question encore? Non. Ah, mais, pas le bon répondre, mais quittez-moi, bon, ou précise, pour ma bonne temps pour répondre. Même, parce que moi-même, c'est interroger, m'a interrogé pour moi qui ça qui a fait véritablement. Parce que si, ouais, ça a privé là, et parce que nous allons mettre l'institution en place déjà. Là, nous d'accord. Parce que tout, élection n'a pas de fait. Ouais, tout ça est problème, pas nous. Ouais, on a payé et conséquences nous.
OK? Mais ça m'a dit là. On comprend que un conseiller président lui l'a défendre point de vue la présidence, c'est bah, correct, il paye pour ça. Ou parler de conseiller officiel, ou parler de conseiller officieux, donc il y a une responsabilité ça. Mais l'organe des mondes qui foncièrement dans l'opposition face à pouvoir, par exemple, gardez-moi et Jean-Charles, il y a le Pour faire journaliste, ça pose une question et on est moi-même m'a posé quand même. Pas perdre du temps. Oui. Et moi-même, jusqu'à preuve du contraire, je pensais que Moïse Jean-Charles est dans l'opposition. D'ailleurs, je souhaitais non quatre figures comme ça dans le sénateur de la République qui est allé. OK? Mais, qu'on y a là, ou qu'a expliqué Mounio que Moïse Jean-Charles, pendant l'opposition, qu'on parlait des nègres qui mettaient rad sous l'eau, qu'a loué président Jovenel Moïse, sous qu'a explication, je pensais que m'attendre sous lui. Ok. Bon. Pour qui ça, sénateur, ancien sénateur Moïse Jean-Charles, l'État qui a une position là, parce que il n'est pas censé faire Jovenel Moïse cadeau. Oh, mais Marie-Lucie, bon réponds-nous. D'abord, on ne va pas d'accord avec le jugement ou non. Qui dit n'a payé ça ne pas fait, ça nous fait. Si vous payez ça, qui fait, c'est tous les dirigeants de manière générale. Mais n'a pas eu de ça mettre. Vous permettez que je réponde. Il n'y a personne du pluriel. Il m'a dit, S'il vous plaît. Mais il ne faut pas déformer, penser tout. Même si nous, on m'a dit, sénateur, on m'a dit parlementaire. Marie-Lucie, moi, si il a fait le jugement, je l'admets et je ne l'admets pas. Lorsqu'on dit qu'on a payé ça pour nous faire, comme moi, non encore, ou qu'il y a une victime là-dedans. Cependant, moi, j'ai un droit. Le Parlement, c'est de mettre avec exécutif là et judiciaire là, pour mettre le Cour constitutionnel là sous pied. L'initiative appartient au président de la République, qui a eu une majorité tant au Sénat qu'au niveau de la Chambre des députés et qui n'a pas fait ça. Maintenant, est-ce que nous avons pris une initiative au niveau du Parlement pour nous monter le pouvoir? Non. Il n'est pas arrivé dans la fonction. Lorsque moi-même, sénateur, j'ai été au cours de cassation dysfonctionnel, j'ai écrit le bureau de nom, j'ai demandé l'état des lieux, et puis nous avons rempli toutes les formalités pour pouvoir être légal. Lorsque moi, au PC, pas de protecteur, j'ai écrit président écrit, et nous avons rempli vite là. Mais il y a des démarches qui appartiennent à nous-mêmes, mais qui est appartenu à l'exécutif là. Maintenant, vous venez sous question ancien sénateur. M'a dit où Marie-Lucie, moi-même sénateur, je parle avec moi parfois, je voulais railler quoi que je me la donne. Parce que j'ai un pile bagage qui était utile au pays, mais parce que tout le monde n'est pas animé de même intention, nous pas même mobile, même velléité, ça permet nous à tergiverser l'une avec l'autre. Et puis ça, pour nous régler pour payer, pas de régler. Si nous disons ça, c'est parce que nous avons un reproche pour l'Assemblée qui me l'a donné. Maintenant, pour les anciens sénateurs, encore pire, de la mesure où en pile là-dedans, aujourd'hui, il y a ces conseillers officiels président, ou bien ces conseillers officieux président, et ils n'ont pas qu'à parler leur langage que le langage président, ou bien parler national. Maintenant, on parle de l'article 139 là qui est clair, et là, on peut quoi dans la vidéo. Si le texte là, ou bien, il fait référence à l'article 239 là, fait référence à l'article
secret.3. Secret.3 clair, plus de deuxième, lundi, sixième année, je ne parle pas de Koutoukouya. Je ne parle pas de Koutoukouya. Maintenant, ce texte-là, c'est seulement le texte de besoin pour elle. Et son texte de procédure qui est lié. Bonne clair sous lui. Maintenant, parlons de monde qui est foncièrement opposé à président Jovenel. Je ne veux pas attaquer le président et sénateur Moïse Charles, pour qui j'ai beaucoup de respect. Cependant, tout le monde connaît, en dans la société, ça, le monde a fait politique. Nous connaissons qui est au marché. Nous connaissons quand tu fais tout. Et les cas fait politique ici, malheureusement, pas en ville. Si on compte avec toi à minuit, il y a qui te compte avec toi à minuit. Tout ce monde paillot, on va pas avec la journée, mais on va compter avec eux, il y a qui monde ça. C'est ça que je fais tout à l'heure, ou même je me dis quoi. Moi-même, je fais politique aussi. Puisque je fais politique, je cherche qu'on est à qui est mon affaire, à tout le monde qui est dans la société. Maintenant, moi-même, je ne vais pas en bataille de guerre de monde. Ou toujours pas clair, toujours là. Ou toujours pas clair. À ce moment-là, c'est ou pas dit assez. La question de moun tapé et rencontrer président dans la nuit, etc. Parce que, bonjour, jusqu'à présent, même deux moun tende et qui parlait de questions. Bon, moi, Jean Charlier. Et puis, je crois Edmond Sublis-Bozil, tout. Parce que je ne pas attendre Edmond Sublis-Bozil. Il y a un monde, regardez, un auditeur qui dit ça, la femme, je ne vais pas attendre. Et il y a deux mondes qui ont parlé alors. Parce que c'est Jodi. Sublis-Bozil, bah, nous, on est tous lui-même. Il bah? L'ici, nous, en législature, doit gagner deux tiers Sénat à aller. Et ça, le dit. Il dit aussi, c'est que ça. Bon. Et effectivement, dans la législature 4 ans, il y a un tiers qui est avec Steven Benoît, et deuxième tiers qui est là avec Don Cato et Cotard. Donc il a raison. Maintenant, sous question, moi Jean-Charles là lui-même, le sénateur Jean-Charles part à l'élection sous l'Égypte, décret 2015. C'est deux cas nettement différents. Maintenant, on veut fouiller Pislan et. Président bien fait, elle bien joué. Qui a suivi le bouillé puis ça? Qui a suivi le bouillé puis ça? Qui est-ce? Nous disons, président, Palais national veut bouillé puis ça. Et pour le faire ça, il n'y a pas jamais eu une voix officielle qui se voit hier, comme M. Pélécan, j'ai sorti, et puis d'où est sorti. D'où est sorti, il est illégal. Donc c'est la loi et la constitution qui a appliqué. Mais il y a fait Mackinson, quand j'ai acheté un bagage. Et puis après, on a dit Mackinson, papa, il n'a pas l'air. Donc, il y a des fûts qui a déplacé de temps en temps parce que la convéléité priorité rien qu'à tout le Parlement. Deuxième raison. Il a dit oui, il y a une raison de la mesure où le Parlement n'avait pas su jouer ses rôles pendant un dernier jour. Okay. Est-ce que c'est le Parlement seulement qui peut décharger là? Maintenant, parce que c'est qu'il y a plusieurs milliers, plusieurs centaines de milliers de monde qui ont envoyé la carte des présidents. Allez, parce que pas d'affaires avec la forme de gouvernance. Quoi. Même si je ne suis pas d'accord avec nous-mêmes dans le monde, je ne suis pas d'accord avec la justice. Non. C'est ça que je vous dis. Moi, c'est pour question de chasser les gens pour même pour une prêterie, pour un boulevard. Mais c'est une question d'avancer pour avancer. Au moins, je ne vais pas lutter là pour les gens. Où est-ce que vous êtes clair sur le dossier dans vos interviews avec nous? Quelqu'un m'a dit au fond. Parce qu'au fond, son spécialiste, Mario, son spécialiste est dans le droit électoral. C'est lui qui est signé premier sénateur pour moi. C'est lui qui est signé, premier sénateur. Mais on peut pas dans le CEPA. Non, mon cher. Il va gagner par où elle est pour dire là, d'ailleurs. L'expérience de OPO, comme un spécialiste en matière électorale, capable de faire lumière pour vous. Mais on est comme madame, monsieur OPO, madame, avec le micro à tout. D'ailleurs, le OPO est dans le CEPA. Ouais, mais même. Pas que la question journaliste, ça du tout. Oui, vraiment. C'est beaucoup. Sénateur, sénateur. Bon, qu'on est là, elle t'a fait l'élection, elle t'a pensé que nous t'es tenu compte que t'es spécialiste. Non, c'est son question de l'ébabo. L'ébabo, bat là. Sénateur, on ne va pas parler, regardez. Où qu'on aime, on ne va pas parler de Marie, on ne va pas parler de Petit, on ne va pas parler de Sana. Regardez. Oui, mais. Sénateur. Sénateur. Les velléités et les caprices des uns ou des autres, qui t'aillent même des plans, paillots, qui ont l'appliqué, qui ont caboulé la loi,
Yo ka violer la loi. Sénateur. Y a pris pour frapper avec conséquence. C'est une conséquence. Sénateur. Et la loi est claire. Okay. La loi est précise. La loi dit, demain l'article 239 là, qui est l'article 53, le premier sénateur, celui qui est arrivé à la tête de liste, il a un mandat de 6 ans, qui a fini deuxième le 6e année le point bas. Sénateur Sénatus, et problème point bas là. Et bien, elle a fait des balles, pas qu'elle a un point bas. Et ça fait hier, sénateur, là, tout. Et moi, j'ai déjà dit par les mères des mecs qui ont là, et tout. Regardez, sénateur, bonne fois précision pour vous, parce qu'à chaque fois, quand on qui fait ça, m'oblige et tout fait pour rien. Moi, quand même, quelques jours là, dans la question journaliste là. Bah, jamais mêlé question vie privée, affaire familiale, avec question professionnelle. Vous voyez? En tout, même bah est allé vivre, c'est-à-dire en public, mais moi, vie privée à conscience. Mais. Donc, on dit ces journalistes là, si vous voulez parler avec M. Opon, et s'il d'accord tout parler, ça sur notre bagarre, il n'y a pas de Marie-Lucie Bonne. Bah, il est au nom de ça. En parlant de responsabilité, hier, pourquoi son journal de Vision 2000 qui t'a posé Guichard Doré, question en tout. Parce que l'exécutif a une responsabilité pour faire élection, on ne connaît pas sous-entendu réponse l'ITBAI. Il rappelait que le gouvernement t'a déposé dans le Parlement en septembre 2018. Projet de loi électorale et puis loi organique conseil électoral provisoire li te mette dans projet dans budget exercice fiscal ça et 40 millions et ça pas passé et 40 millions de dollars américains pour te faire élection ouais bah la cap passe à son ping pong oui ça dit c'est même bagage responsabilité c'est eux même qui gagnent et puis finalement garde jodi a là nous non imbolio. Mabdiou, sur question de loi électorale là et loi organique là, pour moi-même, et personne n'a pas reproché absolument dans le lieu de travail. Moi, ça va tout encore. Moi, c'est sénateur qui répond chaque jour à qui voit. Et pour faire même là, carrément ma travail. Maintenant, président, vous entendez le président sous plusieurs interventions publiques, vous dites que vous voyez la loi électorale là, pas voter. Vous voyez la loi sous question. Organisation CEPA, il va voter. Je ne suis pas d'accord avec le président et je dis ça en face. Mais le président, vous constatez qu'il y a une majorité dans le niveau Sénat. Mais en dehors de la majorité qu'on gagne, c'est moi-même, c'est la Rèche, c'est Salomon, c'est Patrice Dumont, qui est moins obligé, c'est Dieu Piché Rubé, même lorsque nous partons dans un camp ou bien dans l'autre, nous avons joué le sens nous, et nous qui viennent pour le pays, nous avons voté pour lui. Nous avons fait discussion, nous avons corrigé et nous avons allé dans le sens qui est pour le pays. Mais si le président n'a pas de budget depuis plus que 9 mois, mais estimez que l'état-major de la police n'a pas jamais passé au niveau Sénat, et l'armée n'a pas jamais passé au niveau Sénat. Moi, estimez, président, que jusqu'à date, ou pas qu'à passer au gouvernement. Oui, président, est-ce qu'on vient utiliser, est-ce qu'on parle, est-ce qu'on fait échange avec la majorité? Et si vous avez une majorité dans le Sénat, comme nous sommes députés, il y a des choses qui sont passées. Il y a des sujets politiques, Marie-Lucie, qui font fâcher. Mais il y a des sujets que tout le monde a en tête pour lui pour avancer. Mais moi, pour le président, par exemple, nous avons besoin de monter la contente comme premier ministre. Mettez une majorité pour mettre la contente pour le ministre. C'est que majorité pour mettre séant pour le ministre. C'est que majorité pour la chambre députée pour vous essayer. Allez. Maintenant, même le leadership ça, que l'exécutif l'a utilisé pour ne pas la collecter, pour dire aussi lancer un sport une travail, mais des textes qui ont aussi des portes pour la société, ça doit être parlé qui fait pour au moins nos côtés. Maintenant, tout le temps des présidents à plein, il dit, les dévoyés, il n'y a pas de côté. Là, même le président en responsabilité à tout. Parce que l'idée majorité, tant dans la chambre haute là, que dans la chambre basse là. Maintenant, moi-même, moi, quoi?
le fait que il y ait des textes de loi qui pas voté, le fait qu'il y ait des monde qu'on raille, des monde qu'on parle mais comme exception ou du moins ou qu'on ricotio. Est-ce que ça ca photo a violé la loi? Je ne le crois pas. Maintenant, c'est chaque monde dans attribution yo et conjugué dans attribution respective pour capable au moins faire un service à société. Aussi simple que ça. Pabli, et nous-mêmes, soit par les majorités présidentielles, majorité dans le Parlement, il y aurait parlementaire. C'est responsabilité parlement. Non, mais ma fille, pas de voter pour officiel de loi électorale de fait, non. Pas de CEP qui est venu, pas de ministre intérieur qui est venu exposer des votes. Vous avez une possibilité pour ça de fait tout? Non, même tout, ça va jamais fait. Ah ben. Ça va jamais fait. Maintenant, est-ce que possibilité pour le fait, la majorité, comment le fait? C'est le président de la République, le président du Sénat ou de la Chambre des députés qui nous est en tenue sur agenda législatif que nous avons adopté. Mais une fois qu'on entend sur lui, tout est en harmonie, ça me dit tout à l'heure, oui. Vous pouvez toujours qu'il y ait harmonie dans la relation, nous qui dirigeons. Si il y a un problème, nous mettons le problème à terre, nous ressuscitons et puis nous avançons. Mais je ne dis pas dire qui est responsable. Et qui ne l'est pas dans la mesure où la responsabilité est partagée. Mais vous êtes amené d'une nous, hein? D'une nous responsable. Yes. Yes, d'accord. Ou à l'autre, on va bien fâcher, on va bien traiter. Non, pas à l'autre, je vous en parle. Excusez-moi. Après, je parler, le fait que je me suis dit problème gauche, ok. Je me parlais un peu à voix haute. Et vous connaissez un avocat. Vous pensez dans le tribunal loyer? Parfois, je pense que c'est qui dans l'amier. Pas un problème. Ok. Bon, 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 pour nous finir, regardez, ouais, dans la vision de minuit, ouais, 10h, je vais faire jusqu'à 59. Dès que je vais dépasser, je vais faire sous sanction. Je vais penser là, on va quitter une sanction. Ça veut dire là, une question pour me faire, mais ça me va protéger. Et puis, je vais commencer à présenter, excuse-moi, je vais responsable tout là. Ok. Non, là, je ne vais pas dépasser, non. Je vais gagner droit ça. Vous faut respecter les règles du jeu. Non, parce que nous gagnons. Il a dit 9h30, 10h. Il a dit 10h, 59 flammes, je vais prendre, même là, ça après les heures, même, il a fermé, j'ai sous ça. Mais si je dépasse 10h, j'ai un problème. Ça veut dire que tu jusqu'à 10h. Non, là, vous avez parlé là, et moi, c'est crié là. Vous voyez 2 minutes, nous avons une question pour vous là, c'est 2 minutes pour répondre. Parle-le là. Ok, vous finissez là, nous avons 2 minutes. Parce que hier, je me pose des questions ça. Et à Yuri et la tortue, c'est-à-dire qui s'en sont dans la même situation avec vous. Si, on lundi prochain, si le président, il prend décret, il dit, il constate que départ, il décide que c'est 2/3 Sénat pour aller. De toute façon, décision est dans lié. Même là où dit, bon, ça va être problème, va respecter la loi, mais on dit. Ça m'abdoula, c'est constat. Je dis à la décision, c'est le président qui parle. Qui recourt que vous-même, Yuri Latortue, à l'autre collègue, nous, qui pensait que nous-mêmes, c'est en 2022 que nous devons aller, qui recourt nous gagne? Qui ça nous a fait? 2 minutes. Comme nous avons réussi. Sans question, on a réfléchi par l'absurdité là. On t'a dit, si par l'absurdité, le président t'a dit. Et il a dit que tu es allé. Le président a capté pour le dire dans le palais, il constate. Mais on constate, pas toujours exact. Exact, c'est même dans le droit, il a toujours demandé contre expertise. Il a constaté un bagage, il me dit noir. Et puis on conteste, il dit que c'est crié. Et là, il dit c'est cri. Donc là, devant, il y a une instance qui est compétente pour qu'on ait ça qui est là. Qui est dans votre instance, ça va exister. Fabrier, le Parlement haïtien n'est pas le seul Parlement qui a fonctionné. Sénateur, songez 2 minutes, mais vraiment 2 minutes dans votre famille. Oui. Qu'on ait des parlements à travers le monde qui assurent ce qui a passé en Haïti à l'art. Et ils sont touchés. Qu'on ait tout, il y a un acte administratif qui est irrégulier, qui est illégal, qui est compté au cas attaqué. Et qu'on ait chaque loi posé un acte politique. Qui est obligé pour retracter ou qui va déclarer illégal ou pas faire l'autre bagage qui rend nous plus faibles que sous tes faibles et rend nous faibles sous tes forts. Maintenant, nous-mêmes, nous seulement été approchés à l'indépendance des pouvoirs, ce n'est pas le président qui a fini que madame finit ou pas, c'est la loi qui dit ça,
moi j'ai un bureau au niveau du Sénat qui doit responsabiliser. Nous attendons que tout le monde veut participer aux gens de jouer dans le règle état de droit, dans le règle démocratique. Aussi simple que ça.